vous regardez RTL. Une grosse tête qui a beaucoup écrit pour les autres et n'a jamais su garder la ligne, Bernard Mabille. Très joli. Ça vous plaît, mon bon Bernard? Ah, je trouve ça très joli, très joli. J'imagine les heures que vous avez dû passer pour trouver cette phrase. Mais c'est très flatteur pour vous, en plus. C'est magnifique. C'est poétique en même temps. Ah, ben alors, vous la vieille, alors. Ah, c'est gentil. Ah non, parce que là, vous n'avez plus d'âge, vous êtes arrivé avec des béquilles. Oui, je me suis fait mal, il faut que j'allège le pied. J'allège le pied. Mais qu'est-ce que c'est que ces béquilles? Qu'est-ce que c'est que ces béquilles? Parce que je suis tombée, je vous ai dit. Je me suis fait une élongation, c'est-à-dire que j'ai fait un grand écart dans une salle de bain en marbre. Un grand écart à ton âge. Mais t'as dû faire. Elle a des bottes glam de David Bowie. Elle a les bottes argent, incroyables. Pour aller avec les béquilles. Ah, on dit pas les béquilles, on dit les béquilles. Tu dis une paire de coups. Ça m'énerve. Vous n'allez quand même pas me donner des leçons de prononciation. Mais le grand écart sur du marbre, t'as dû faire ventouse. Chantal, est-ce que vous pourriez en plus... C'est parce que déjà que c'est enlevez pas facile... Enlevez mon soutien... Enlevez mon... Pas votre soutien-gorge. Je déteste ça. Je déteste ça, c'est Mergo qui me l'a donné juste avant d'entrer, en plus. Elle m'a dit, t'as pas un truc à sucer. J'ai dit, maman... Retire ton soutien-gorge avec tes seins en accordéon, ça fera hommage à Yvette Horner. Non, mais enfin, franchement, c'est pas possible. Je l'ai donné à manœuvre. Ouais, je vais le mettre sur eBay, un chewing-gum mâché par Chantal là-dessous, mise à prix, je sais pas, 55 euros minimum. Hein. Ah oui, on peut voir mon ADN. Ah bah, on c'est pourra bien la cloner. Pour l'éviter. Si vous voulez cloner Chantal là-dessous, si vous êtes un savant fou, téléphonez-moi. C'est bien celui de Chantal, il y a une dent plantée dedans. Non mais franchement, on est inquiet pour vous, Chantal. Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est une petite faiblesse, et puis voilà. Mais je marche. Vous marchez? Oui, j'ai pas besoin d'aller à Lourdes, je marche. Non, mais c'est quand même dommage, la veille de la sortie de votre film. Mais comme ça, tout le monde me regarde, tout le monde me voit, tout le monde me dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» C'est génial. La France entière va courir dans les salles de cinéma. Eh ben oui. Attends, ah, c'est alors, pour ça, alors, c'est alors, pour Laurent. Ça que, tu l'as vu hier soir, c'est pour ça que t'as l'air reposé, t'as bien dormi. C'est un très bon film, non, non, vraiment. Il va faire plus de sorties que d'entrées. Toujours non, sympa, ma bille aussi. Ça doit être drôle. On croit que c'est un bon gros, mais c'est une vieille merde. Oh, heureusement que t'as des béquilles, sinon je te sauterais dessus, dis donc. Il y a une bonne ambiance aujourd'hui, dites-moi. C'est charmant. On est Je suis entre les deux. Je suis entre les deux, j'ai l'impression d'être une tranche de jambon entre deux enclumes. Vous êtes plutôt un cornichon, vous.